Salut, salut tout le monde, c'est Licora pour Link et Chulik. On est sur Game Dev Tycoon, un jeu de simulation sur PC, sorti en 2013. C'est parti. Alors, c'est un jeu qui me tenait à cœur, ça fait longtemps que je voulais le faire. Alors il faut savoir que donc, c'est un jeu de gestion, vous allez donc créer votre propre entreprise de jeux vidéo. Voilà, donc on est limité au niveau du temps, on a 35 ans. On est seul dans notre garage pour commencer. Voilà, donc je ne suis pas un énorme fan de jeux PC comme vous le savez peut-être. En tout cas voilà, on est en pleine période de confinement, donc j'en profite d'avoir un peu plus de temps pour tourner et monter malgré que je travaille, mais j'ai quand même un peu plus de temps qu'à la normale. Sinon qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien écoutez, on va commencer hein. Donc avant de commencer, vous devez donner un nom à votre entreprise. Donc on va l'appeler Link et Schmidlink Studio. Link et Schmidlink Studio, donc moi c'est une Flora, vous le savez. Je suis un man. Écoutez, ça me semble pas mal celui-là là. Bon, nickel Chrome. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai déjà joué en fait pour découvrir le jeu. Je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si je n'avais pas joué avant, eh bien cette vidéo aurait été un peu moins intéressante parce que j'ai découvert des choses que je n'aurais pas su si j'avais pas joué avant. Et du coup, je vais pouvoir vous partager un peu les astuces et la vidéo sera de meilleure qualité puisque on va pas passer notre temps à chercher à découvrir certaines choses. Ça va aller un peu plus vite et sera donc plus intéressant pour vous. Donc on va importer les conseils des parties précédentes. C'est parti. Là, on s'en fout de toute façon, voilà. C'est parti. Donc voilà, le temps donc défile, hein. On est à l'année 1, semaine 1, mois 1. Le temps défile, hein. Et on a 70 000 d'argent. Donc on va faire un nouveau jeu. Voilà, donc le thème. Alors voilà, il faut aussi savoir que les thèmes, vous allez avoir de la chance ou non. À chaque partie, à chaque nouvelle partie que vous allez faire, vous allez avoir des thèmes différents. Donc là par exemple, j'ai pirate, avion, histoire, voyage, temporaire, je pourrais très bien avoir d'autres thèmes. On va pouvoir en débloquer au fur et à mesure du jeu avec des points de recherche, qui s'avèrent très importants. Voilà, on a beaucoup de thèmes, hein, voilà, ça se voit. C'est compliqué, parce que histoire, c'est, je sais pas, voyage temporel non plus. Avion pirate, il y a peut-être moyen de faire un petit truc. On va voir. Donc on va se faire un thème d'avion, écoutez. Alors, en avion. Avion simulation, hein, ça semble logique. On sait pas si ça marche ou pas, malheureusement. Pirate action, pirate aventure ça marche bien. Donc écoutez, on va peut-être faire un petit pirate aventure. Voilà. On va appeler. On va l'appeler Santa Cruz, voilà, qui est le nom de mon JDR. Je suis sorti un JDR avec des amis, avec le lead d'ailleurs. On a fait un JDR pirate qui s'appelle Santa Cruz. Alors, on voit que action, aventure. Donc nous, on a un jeu de aventure. Aventure plus, donc ça veut dire que ça se vend vachement bien sur PC. Il n'y a que 44% de part de marché, mais ça coûte moins cher, 4 fois moins. Et donc on va le faire sur PC, c'est parti, en 2D, hein, bien sûr. Voilà. Donc Santa Cruz, un jeu de pirate aventure sur PC. Donc là voilà, on voit que là où il y a 3+, ça doit être full. Là où il y a 1-, c'est que c'est pas super important. Et 2-, c'est encore moins important. On va faire ça, genre comme ça. Allez, écoutez, c'est pas mal. Donc on voit que l'argent baisse un petit peu, hein. Là, on voit qu'on a du design de la technologie. Plus on aura de points dans les deux, plus le jeu sera bon. Donc là, dialogue très important, design de niveau pas trop important. Intelligence artificielle, encore moins. Ça revient. Bah, c'est pas mal. Design du monde est très important, graphisme est assez important, le son pas trop. On va virer le son, puisque le son est pas super important. Se sont centrés sur la citizen. Voilà, j'ai l'impression qu'il marche plutôt pas mal le jeu là. Je suis assez satisfait de moi. On va laisser corriger, donc il y a un petit peu de bug, voilà. On en profite pour grappiller un peu de points. Donc 16 en design, 10 en technologie, c'est pas mal, je pense. Voilà. On n'a pas fait de nouveaux records. On a quand même un bonus de 1,5 pour thème, nouveau thème et nouveau combo, donc écoutez, c'est pas mal. On va, on va faire un rapport tout à l'heure. Voilà, donc les critiques viennent d'arriver, qu'est-ce que ça vaut? On va savoir ça. Eh bien écoutez, c'est un 8. L'accent mis sur la partie design du monde a bien servi de Star Games. C'est pas mal, hein. Un 9 de Inferno Gamer. Donc voilà, les notes sont sur 10. Hein. Donc, c'est pas mal du tout. Hein. Un 9 sur 10 également, déjà devant la suite de Game Hero. Écoutez, franchement, je pense qu'on a fait un bon jeu. Donc on a 3, 9 et un 8, franchement, pour un premier jeu, c'est pas mal du tout. On va lancer un rapport. C'est ce qui va nous permettre donc de débloquer des points de recherche. Et on voit qu'on a eu un 8,75 de moyenne.
pour 31 000 de dépensés. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On vient de sortir dans l'industrie du... Alors, on est nouvel acteur dans l'industrie du jeu vidéo, pardon. On vient de sortir notre premier jeu Santa Cruz, qui a reçu de bonnes critiques. On est sûr de gagner des fans rapidement avec un si bon départ. C'est pas mal. Voilà, donc on voit donc dans le petit encadré à droite le nombre d'exemplaires vendus. On est classé en 20. Donc c'est pas mal. On a vendu quand même 5342 exemplaires. C'est pas mal, hein. On a eu un tel succès qu'on a eu 35 fans. Bah écoutez, c'est pas mal. On se fait un peu d'argent, c'est bien. Bonne chose. Voilà, on a fait un nouveau record de vente, on a vendu 10 000 exemplaires. C'est une étape très importante dans l'histoire de notre studio. Voilà, donc en sachant qu'on va vendre le jeu quelques semaines, et plus il sera classé haut au niveau du rang, plus on va le vendre longtemps. Et donc plus on va se faire du fric. On va lire le petit rapport qui nous dit des fois des trucs sympas. Le gameplay semble être assez peu important pour ce type de jeu. Voilà. On sait pas plus. Là par exemple, avec les points de recherche, donc 23, on peut chercher un nouveau thème. Enfin, donc il y a pas mal de thèmes, franchement c'est pas mal. On va peut-être se faire un jeu de avion simulation, écoutez, on va faire ça. Avion, simulation, on verra bien. Simulation marche bien sur PC encore une fois, donc écoutez, on va le faire sur PC. C'est parti. Oups, j'ai pas donné le nom. On va l'appeler. Crash Simulator. Voilà, Crash Simulator, un jeu d'avion PC, simulation. Voilà, c'est parti. On verra ce que ça vaut, je ne sais pas. Donc le moteur semble être assez important. Le gameplay est très important, il se torquette pas trop. Voilà. Ça aide hein, d'avoir ces petits signes. Hein. Quand vous démarrez le jeu pour la toute première fois, vous n'aurez pas tout ça. Hein. Donc il faudra vraiment se démerder. Après voilà, il existe des tableaux sur internet qui vous disent exactement où placer les choses. Personnellement, voilà, je vois pas l'intérêt de faire une vidéo pour vous montrer quelque chose où je suis, ce qu'on me dit. L'intérêt c'est aussi de découvrir le jeu, de vous sortir un nouveau contenu, de prendre plaisir et se marrer. Voilà. Concrètement, on a quand même 129 fans, 150 000 d'argent, c'est pas mal. Le son est assez important quand même, donc on va le mettre. Les graphismes sont très importants. Les aides du monde pas tellement. Voilà. C'est un peu moins bien qu'avant, on voit qu'au niveau des points, on est un tout petit peu moins bien. En technologie, on n'est pas si mauvais que ça. On a quand même fait un record en technologie de niveau 12, donc c'est pas mal. Hein. En soi, ça veut dire que le jeu est plutôt assez bon, on va dire. Voilà, donc on a 39 points de recherche. On va quand même rechercher un nouveau thème de jeu. Voilà. Écoutez, on va sortir un... On a gouvernement alien. On a des thèmes un peu de merde, hein, il faut avouer. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est un peu la merde. Je vous cache pas. Développement de jeu, écoutez, mais ce sera nouveau un jeu de simulation, c'est ça qui m'emmerde. Aïe aïe aïe. Écoutez, on va peut-être se faire un alien action, c'est un peu bizarre comme. On va voir. On va chercher donc alien. Et après, on a. Voilà, alors. Les critiques viennent d'arriver pour le jeu de simulation avion. Écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. Oui. On a un J'adore de Stargame qui nous accorde un 8 sur 10. Écoutez, c'est pas mal. On a encore une fois un 8 de Informed Gamer qui nous dit que le jeu est très plaisant. Voilà, c'est pas mal du tout. On a encore un 8 qui nous dit qu'ils ont joué dans des jours de Game Hero, donc c'est pas mal. Ah, jeu exceptionnel de Game. Donc franchement, pour l'instant, on a sorti deux jeux qui ont très très bien marché. En sachant qu'on est un petit mec dans un garage. Donc Crash Simulator, donc pas mal. On est au rang 15, donc super. Voilà. Donc on va faire un rapport, donc on a une note de 8,25 et on a dépensé 31 000, on a reçu 44 000 mais on ressort que 13 000 de BDF. Ça reste toujours du BDF. Hein. Donc les ventes de Govdor dépassent celles de ses concurrents dans le secteur PC, les consommateurs préfèrent son tarif plus avantageux, sa plus grande dispo, sa meilleure flexibilité, sa config matérielle, en comparaison d'autres ordi perso. Les experts prédisent que cela fonctionnait le cas des constructeurs concurrents. Donc il y a beaucoup de blabla hein, dans ce jeu, hein. c'est un peu la partie relou. Et c'est un peu répétitif, et ça reste quand même assez complexe, hein, parce que si vous faites n'importe quoi, vous crachez vite votre société, hein, je vous le dis tout de suite. Donc le rapport nous dit que Avion Simulation, c'est une excellente combinaison. Le graphisme semblait très important, donc voilà, Avion Simulation, on peut se le noter, on pourra peut-être en refaire un plus tard, voilà. Si on recherche un nouveau thème, qu'est-ce qu'on a? Que de la merde. Donc écoutez, on va voir. On est un peu bloqué, hein, on va peut-être se faire un alien action, est-ce que... Donc là, si maintenant on met Alien Action, ils nous disent que c'est un super combo, donc ça c'est cool.
Allez, d'action. Bah écoutez, on va appeler ça. Écoutez, on va appeler ça Rouget American Dad. Voilà. Nickel. Un allié d'action. Donc on voit qu'action, ça se vend bien sur Govodor et sur PC. Voilà, donc là on a assez d'argent. Govodor, ça rapporte un peu plus de parts de marché, donc on va le faire dessus. On va tenter. Voilà. Rouget de American Dad, pas mal. C'est parti. Un allié d'action. On n'a pas encore sorti ce genre de jeu, donc pourquoi pas après tout. Voilà, donc le moteur est très important, le gameplay un peu moins. Histoire quête moins, carrément moins quoi. Histoire quête, voilà. Alors c'est pas parce qu'il y a que des moins qu'il faut pas en mettre du tout, il faut en mettre, mais le minimum de pile. Là voilà, donc dialogue quasiment pas, je vais pas mettre pas, mais un tout petit peu. Alors j'ai pas l'impression que c'est un sujet qui marche beaucoup beaucoup. Quoique en technologie on n'est pas si mauvais, hein. On avait 12 avant. Le design du monde est assez important, le son est assez important, le graphisme aussi. Alors, d'après les rumeurs, l'entreprise japonaise Nintendo projette de lancer sa propre console de jeu. Nintendo est connue pour le jeu d'arcade avec succès Dinkeki. De nombreux experts issus du milieu de l'industrie ont émis des doutes sur le fait que les consoles de jeu décollent. Nous avons hâte de voir ce que Nintendo va nous sortir. En technologie, on voit qu'on n'est pas mauvais, on avait fait 12 tout à l'heure. On va peut-être dépasser. Voilà, on a dépassé, on est à 13. 11 en design quand même, hein, ce qui est pas mal du tout. Donc finalement, un jeu qui a l'air pas si dégueu que ça. Effectivement, en technologie on est à 14, donc c'est pas mal. Bon, je passe niveau 2, c'est plutôt une bonne chose. On a 51 points de recherche. Si je cherche, on va peut-être chercher un moteur. Non, peut-être pas encore tout de suite. Ouais, quoi que, parce que là, les thèmes, on n'a pas grand-chose. C'est un peu la merde. Alors, dystopie, je ne sais pas ce que ça veut dire, je suis désolé. Avec gouvernement, ouais. On va chercher romantisme, écoutez. Pas le thème de l'année, mais bon, on va essayer d'en débloquer pas mal. Les critiques viennent d'arriver pour notre Alien Action, donc j'ai l'impression que c'est pas terrible. On a quand même un 7, les jeux ils rentrent bien sur Govodor. Enfin, c'est pas le jeu de l'année, mais ça reste magnifique sur l'uniforme de Guerre. Voilà. Au-dessus de 7, j'estime que le jeu marche quand même. On a un grave du Gamero, donc on a que des 7 quasiment. All Game se montre un peu moins clément avec un 6. Voilà, donc on peut dire que le jeu marche quand même, hein, avec une note pareille. Tant qu'on est au-dessus de 5, voilà, on peut dire que c'est pas mal. Voilà, donc on va faire un petit rapport. On a quand même une note de 6,75, c'est pas mal. On va dégager un BNF de 14 000. Bon, écoutez. On va débloquer le travail sous contrat. Donc voilà. Mais en gros, on peut travailler avec des petits contrats d'édition pour gagner des points de recherche, justement. C'est très important dans ce jeu. Donc, Nintendo a confirmé la récente rumeur et annoncé son intention de sortir une nouvelle console de jeu nommé Tess en début d'année prochaine. La console est équipée d'un lecteur de cartouches et d'une manette au design unique. Voilà. Donc romantisme, c'est bon. Le rapport est tombé. Le American Dad. Histoire quête, ça va être sans importance. Alors, on va encore essayer de chercher des thèmes. Enquête. Putain de merde. On a un peu que de la merde, je suis désolé. On a quasiment 400 000 d'argent, 439 fans, donc c'est pas mal. Mais les thèmes sont merdiques, hein. Concrètement, on a que des thèmes de merde. Donc, je vais encore miser sur les thèmes, j'ai pas le choix. Ah bah voilà, course, c'est pas mal. On va se faire un petit jeu de course après ça. Ça peut être course action, c'est pas mal. Bon, on va tenter. Et puis ensuite, on va faire des petits travaux à droite à gauche, parce que du coup, là, on a plus rien qui rentre, vous voyez, l'argent du jeu, on a plus rien. Donc, faut sortir un jeu. Donc course action, écoutez, ça m'a l'air bien. Hein, c'est une bonne combo. Ah, c'est pas la combo de l'année par contre. Ouais. C'est une bonne combo, mais c'est pas fou. Merde. Alors peut-être pas course alors. Ah, ça me dégoûte. Alors voyage temporel, action, voyage temporel, aventure. Ah, voyage temporel, aventure, c'est une excellente combo. Bah écoutez. Aventure, ça marche bien sur PC. Donc, ça sur PC. Voyage temporel. Waouh. On va l'appeler ça Futurama, tiens. Futurama, voilà, donc c'est pas mal, je suis passé, oui. C'est parti. Voilà, c'est cool. J'aurais pas pensé. Futurama, donc moteur est pas important, le gameplay non plus. Je pars pour stocker ta blinde. Donc, voilà. Donc Futurama, hein, voyage dans la nature. J'espère que ça va marcher. Le dialogue à blinde, le design de niveau pas trop, l'intelligence artificielle encore moins.
On a des dépenses mensuelles de 8 000 seulement, donc ce qui est pas énorme, on est dans un petit garage. La Tess est sortie, voilà, ça magnifique. En design, on va pas être mauvais, je pense. Hein. Design du monde à blin, le graphisme est assez important, le son pas trop. D'ailleurs, le son, on va virer le son d'ailleurs. Voilà. En design, on est pas mauvais, hein. C'est pas mal, hein. C'est une bonne chose. Ah bah voilà. Voilà, voilà. Quasiment 500 fans, quasiment 400 000 d'argent. Donc, en design réussi, j'ai l'impression. Oui, on a fait un record et on passe au niveau 2 de absolument partout. Donc c'est génial. Ça veut dire que le jeu va plutôt bien marcher, je crois. On va se faire une recherche de nouveaux thèmes. Et on a Fantasy. Voilà, Fantasy, ça c'est un super bon thème. Il y a Fantasy Action, Fantasy RPG. Futurama, les critiques viennent d'arriver, donc ça m'a l'air bien. J'ai joué 10 plusieurs fois. Voilà. Un 8 quand même, j'ai joué pendant des jours de Stargames. Écrit en gras, donc pas mal. Ah, 7, expérience agréable, j'ai une femme à guerre. C'est pas mal. Je m'attendais peut-être un petit peu mieux quand même. Très plaisant de Gamero avec un 8. Un jeu qui est assez bien noté quand même. Hein. Et un 7 encore. 2, 7, 2, 8, donc c'est pas mal. On peut se féliciter. Donc on va faire un rapport. On a une note de 7,5. On ressort quand même un BNF de 47 000, ce qui est excellent. On va peut-être pouvoir bientôt attaquer les nouveaux moteurs. On a 630 fans, 500 000 d'argent, ce qui est pas mal du tout. Voilà. On va lire le rapport déjà. Alors, moteur est sans importance pour ce type de jeu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer un nouveau jeu de thème fantasy action, fantasy aventure, fantasy RPG. Voilà, fantasy RPG, excellent combo. Fantasy RPG. Voilà, donc on va l'appeler The Human Centipede, nickel. Un fantasy RPG, donc RPG, ça marche plutôt bien sur Google 2. Écoutez, test, ça marche pas bien, en plus faut payer une licence à 80 000, ça m'intéresse pas. Google 2 a quand même 35 parts de pourcent de marché, le PC a 25%. Ouais, écoutez, on va sortir sur Google 2, ça me semble pas trop mal. Voilà, c'est parti. The Human Centipede, un jeu fantasy RPG. On a 666 fans, c'est un signe, avec 483 000 d'argent. Donc là tout ça, écoutez, il a conservé, vu que j'ai déjà fait un RPG, il a conservé, donc on va garder ce qu'il a mis, voilà. Et on va ensuite voir peut-être pour un nouveau moteur, mais il nous faut des points de recherche. Ouais. Voilà, moteur, donc c'est très très important pour sortir des jeux de qualité. Maintenant qu'on a un peu d'argent, on peut se permettre de faire ce genre de choses. Donc là voilà, ça c'est une bonne quand même, voilà. Vous savez, j'ai l'impression que ça marche pas si mal que ça. Hein. Pas mal du tout, je suis assez ravi de ce jeu là, j'ai l'impression qu'il va bien marcher aussi. On a encore battu le record, on a fait 16 si je ne me trompe pas avant, donc ça veut dire que c'est encore mieux. C'est une bonne chose. Voilà, même 17 en design, donc 10 design ça marche bien. Bah, c'est un record de design, donc c'est exceptionnel. On va le publier et pendant ce temps, nous on va se faire. Alors, si je fais une recherche de nouveau thème, on a vie. Oh, vie ça m'intéresse pas du tout. Un nouveau moteur peut-être. Écoutez, on va fabriquer un moteur. Les critiques pour The Human Centipede, voilà. Et bah écoutez, j'ai un truc, c'est pas mal. Un 8, Fantasy RPG, c'est une super combinaison. Ça, faut qu'on retienne. Un 7, qui est sur Instagram, une format gamer. Voilà. Quand c'est écrit en gras, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire que ça marche bien. Peut-être. Un 7, 7, triple 7 plus un 8. Écoutez, c'est pas mal. Jusqu'à présent, on peut voir que j'ai quand même pas trop de jeux de merde. On se débrouille pas mal. Hein. On a 770 fans, 500 000 d'argent. On est quand même classé en 8, donc ce jeu va nous rapporter pas mal de thunes. On va pouvoir se permettre de faire des petits boulots pour ramasser un peu d'argent. On peut chercher des attaques et son mono, voilà. La Tess, console récemment sortie par Nintendo, ça devrait être un immense succès. Les ventes dépassent de l'un toutes les prévisions. Comme un témoin d'un utilisateur, j'adore les jeux sur Tess. Les jeux avec une manette sont tellement plus amusants qu'avec un clavier. Du coup, on va faire un rapport. Une note de 7,25. On a dépensé 46 000, on a récupéré 109 000 à la première semaine, ce qui est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. C'est bien d'améliorer. Quasiment 1000 fans et à 800 000 d'argent, donc c'est vraiment intéressant. Donc on a le rapport qui va nous dire dialogue semble être très important et intelligence artificielle également. On va faire des petits boulots. Voilà, alors attendez, qu'est-ce qu'on a 9-3, ça va pas mal.
ça me fait des points de recherche et en même temps ça me fait un peu d'argent si je réussis le contrat. En fait, il faut vraiment que je réussisse, sinon c'est mort, sinon je perds de l'argent. Celui-là, il passe. On va continuer. 15, 3, 4, 10, 4, 10. Écoutez, le 4, 10, il me paraît bien. C'est jouable. Voilà. On va rechercher. Donc, on a Didacticiel pour 15 points et son mono pour 15 également. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore faire un travail sur contrat. Ah, 15 points. On va essayer. C'est pas dit qu'il passe celui-là. L'offre croissante en console de jeux crée aussi un marché pour des jeux plus spécialisés. Certaines plateformes deviennent plus populaires auprès de jeunes joueurs, tandis que d'autres, ça va, c'est une super partie. De plus en plus de développeurs entrent sur le marché. Ils espèrent donc que les jeux cibleront des groupes d'âge spécifiques pour devenir des références. Et on a le ciblage qui est dispo. Allez, oui! Bah écoutez, on a rempli tous les contrats, on en a plus. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se rechercher un... Voilà, donc ça y est, on peut se débloquer des choses. On va débloquer, écoutez, le gameplay, on va essayer de débloquer tout ça pour se créer ensuite un nouveau jeu. Bah donc là, ils me disent, hein, n'oubliez pas de créer un moteur. Le moteur permet donc de faire des jeux de meilleure qualité. On va se refaire un avion de simulation, ça avait plutôt bien marché, je trouve. Suite à l'immense succès de la TES, la rumeur commence à circuler que Vena, notre entreprise japonaise, prévoirait de sortir sa propre console de jeu. On a quasiment 700 000 d'argent, donc c'est pas mal. Alors, on va développer un jeu. Donc la plateforme TES, les jeux d'action et RPG marchent bien. On a quand même 38 barres de marché, donc on va essayer de sortir un action ou un RPG sur TES. Alors, action RPG, on a Fantasy. Action, enquête action, et pourquoi pas, attendez. Enquête RPG, non, ça, enquête, non. Non, pas du tout. Enquête aventure, écoutez, ça me semble pas mal. Ouais. Écoutez, un jeu d'enquête aventure, ça me plaît bien. Ça. Enquête aventure. On va l'appeler Matlock. Donc, petite référence aux Simpsons. Aventure, ça marche bien sur PC. Bah, écoutez, on va le sortir sur le PC, on va pas se faire chier. Voilà, c'est parti. Après, il faudra qu'on pense à créer un nouveau moteur aussi. Alors, du coup. Ah non, 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 ça va pas du tout. Ça c'est 1, donc un tout petit peu plus. Comme ça je dirais. Ouais. Mmh, écoutez, c'est pas mal. Vena a confirmé les rumeurs récentes au sujet d'une nouvelle console de jeu et a annoncé la Master V. L'entreprise affirme que la Master V est techniquement supérieure à la TES, qui a connu un succès massif et prévoit un lancement dans les mois à venir. Ah, en design, on est exceptionnel pour ce jeu par contre, hein. C'est vraiment bon. Ah, ça me plaît ça. Matlock, donc un jeu d'enquête aventure qui visiblement en design marche plutôt pas mal. Hein. On a fait un 19. Hein. Écoutez, c'est pas mal. Encore une fois, je suis assez satisfait là. On va se rechercher donc le son mono et on va créer un moteur après. Les premières critiques viennent d'arriver pour Matlock et je pense que c'est un jeu qui a bien marché, j'ai déjà l'impression. Ouais. Un 8 de Stargame donc c'est pas mal, qui adore. Hein. Un 8 également, les jeux de type aventure rentrent bien sur PC, Informed Gamer. Ah, un peu moins sympa, un 7 de Gamero qui nous accorde un bon jeu et un j'ai joué pendant des jours de All Games donc c'est pas mal. Satisfaisant, on a 1000 fans, on a 650 000 d'argent, donc tout roule pour notre studio de jeux vidéo. On a ce qu'il faut, on fait un rapport, on a une note de 775, on a dégagé un bénéfice de quasi 100 000, clairement. On a 1200 fans, tout se passe bien. Voilà. Y a pas à dire, tout roule. Alors, on peut éventuellement chercher un thème, on a vu, ouais, donc les thèmes, on a vu que c'était pas ouf, mais on va plutôt créer un moteur. Hein. Voilà. On va se créer un moteur, parce qu'on a quand même pas mal de choses qu'on peut intégrer dedans. On va l'appeler Link et Schmil
V1. Mon fait graphisme de V2, l'histoire linéaire, on met tout, hein, clairement. Ça coûte cher, voilà, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que c'est grâce au moteur qu'on pourra sortir des gros jeux. On peut se permettre de dépenser de l'argent. Vena est sorti. Et le rapport, il nous dit que Matlock, Mr. Ken, serait très important. Voilà. Après, grâce au nouveau moteur, on va pouvoir développer des fonctionnalités et donc forcément gagner en points par rapport au jeu qu'on sera. On a 700 000 d'argent, donc on peut se permettre de créer le moteur. On est à la troisième année déjà de l'entreprise. La Master V, récemment sortie par Veda, a bouleversé le marché mondial. Les experts de l'industrie disent qu'elle a trouvé peu de débouchés sur le marché américain, mais qu'elle devrait avoir du succès dans le reste du monde. Ah non, on va pouvoir se créer quelque chose avec notre moteur. Voilà, le moteur est fini. Eh bien les amis, on va se quitter là-dessus. J'espère en tout cas fortement que ce nouveau thème et ce nouveau jeu vous plaît. En tout cas voilà, les studios Link et Schmidt sont ouverts. On se donne rendez-vous donc dans l'épisode 2 prochainement sur la chaîne. Rendez-vous dans la playlist B-Team Gaming où vous trouverez donc la totalité de Game Dev Tycoon. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et également pensez à la page Facebook Link et Schmidt. Sur ce, à très bientôt. Bisous. Ciao ciao.